Tobusani susu pona osan jura pe koneto la kombo na yo. Yawe toe koneto la bonzambe na yo pa mate. Ozali oyo asimbi nyonso pe wazali kolona nyonso. Yawe neto la mana yo mo pe sinapema. Sanjo la mana yo mo bateli malamu. Yondo bateli po yondo bombi bon mo inabiso. Topamboli yo. Yondo protege biso kontra batake. Merci notre Dieu. Pour tout ce que tu as fait, fais pour nous permettre à Bisso pour être tous à la lélo. Bible et l'obin à Bisso, que Oignon ses années n'a paiement, et Bokin et Oumisayo. Pour que nous permettre à Bisso, à Bonzambé Nayo, pour être bisso, tout la moukale, tout le monde en moukolo. Vous allez na assisengo. Papa te yo loba qui était. Même quand la nuit, et vous meni, souka na souka tombo, et vous souka na moutana. Merci parce que Tongo et Souki na kota na lelo yo oyo permettre la vision to la mouka to pesa yo nini zambo yo to kabela yo nini mouninga malamu to bate libe o Souki le Dieu qui règne jamais biso banana yo to pousa yo. Merci pour la santé. Nous reconnaissons les bienfaits de Dieu. Bible et Lobby, soyons reconnaissants de ce que Dieu a fait. Nous sommes reconnaissants de ce que toi tu as fait pour nous et pour nos vies. Alléluia. Merci parce que mon colo alelo et tu cali copé ça mais la biso ton côté na na ici ka oyo zamba voilà pourquoi tu dis yo il tu oyo yo yo lo ba ke bisika mi bali to misa to basangani yo o jali ka chi na bango kolo ya wana to ye ba yi na yo kona koya eternel notre Dieu o senga bolimbi ya na ni kotike na yo kinti ya lelo o senga loboko na yo ya agir au milieu de nous que loboko na yo e se manifeste puissamment. Parce que yonde moto jalin zambe. Zoa contrôle. Parce que tu n'es pas un Dieu qui garde ni le nombre ni les quantités. Mais tu es le Dieu qui garde le cœur. Mais tes manabis ne sont pas mis panayo. On a offrir yonde kaya moto yalelo. Zoa contrôle yaba instrument nyonso. Tout ce que diable peut combattre pour que qu'il t'alléluise à la créable terre. Toutes les choses que diable peut manigancer pour nous enlever dans ta présence. Nous demandons Père que tu agisses aux contrôles. Zala Nzambe Alpha. Zala Emmanuel tout autour de cette guilde. Et Zala Omega à la fin de cette guilde. Parce que nous voulons sortir avec un sigil éternel dans nos vies. Nous voulons sortir avec la gloire et la bonté de Dieu. Nous voici à Bordeaux,
Parce que tu venais d'accomplir l'œuvre. Et Seigneur Jésus, que l'homme ne pouvait pas accomplir. Yabonde Tosobele, la Nakacha salle oui. Inonde cette salle na makila na yo mokonji. Inonde salle oui. Na makila na yo. Parce que yo chalizan. Tobele li makila na yo, Seigneur Jésus. Qui parle favorablement à Tina Nabiso. Makila na yo loba, Seigneur Jésus. Pona fin abiso. Fecho chalizan. Tobele li makila na yo, Seigneur, na toutes les domaines ya vie nabiso. Tobele li makila na yo, Seigneur, na oyo nyonso. Et j'allais comme ma santé, oignon, c'est j'allais comme éternel notre Dieu. Bozi nabiso, to beleli makila na yo, ma combo na Yesu Masia, tika ke makila na yo, échanger ce que le monde ne peut pas changer. Au nom de Jésus-Christ, to j'allais kobelela le sang de Jésus-Christ. Alléluia, Jésus-Christ. Merci pour ton sang. Et pour ce sang-là qui contrôle toutes choses et qui contrôle, qui continue à contrôler par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Toko senga molimo mo santo ya kitana kate sika o. Toko senga molimo la nzambe ale karako visite biso. Pambate yende l'esprit de révélation. Yende motazali ko fungola miso pe matso inabiso. Pona komona o biso abate ko yiko mona te. Saint-Esprit a kitana nguya na ena kate sika o. Saint-Esprit ale karako konza bomo inabiso. Na kombo na esu masi ya tobo ndeli. Oh l'esprit de feu, l'esprit de Dieu. Cher esprit de Dieu. Nous voici maintenant devant toi. Toi qui agis au-dedans de nous. Tous en apposa, y a présence, y a gloire, y a kachinabiso. Nous voici devant toi. Mais on continue à dire ça, on fait laisser. On va continuer la vie sur mon sougui. On va continuer à consoler. On va consoler mes thèmes à la vie sur. Et salut, yo, mon livre, mon ensemble. Y'a moi, tu es copé, là, cher Saint-Esprit. Mon sougui, ma lame. Tu es copé, là, cher Saint-Esprit. Mon sougui, à tango, nyonso. Tu es copé, là, cher Saint-Esprit. Mon sougui, l'angouya. Tu es copé, là, cher Saint-Esprit. Et c'est yo, ton disabi, son angouya, là, yo. Et c'est yo ton disabis sur la bonzambe. Pamba te cher Saint-Esprit. Moninga mara, moninga tango yo se zali yo. To sengi yo ton disabis sur la bonzambe. Na ma yele na biso moko toko kite. Na ma kasi na biso moko toko kate.
Yonde mo sungi maram. Yonde mo pesi na mayele. Yonde mo pesi na connaissance. Yonde mo sungi tango mayele. Yabiso esukaka. Yangoto sengi na yo kita. Yangoto sengi na yo konze sika o. Tobele li bon zambe na yo. Tobele li gloire na yo. Tobele li manifestation ya puissance na yo. L'onction na yo kita li korona moko na moko. Est-ce que vous avez dit sa vie sur la bâtonne? Est-ce que vous avez dit sa vie sur la révélation? Tony, qu'on soit ma révélation quand vous êtes pas là. Tony, qu'on soit ma révélation quand vous êtes pas là. Toi qui parles tantôt d'une manière ou d'une autre. Oh, il y a qu'à qu'on révèle bisous. Il y a qu'à qu'on révèle bisous, l'Esprit de Dieu. Il y a qu'à qu'on révèle bisous, cher Saint-Esprit. C'est toi qui es notre révélateur. C'est toi qui es notre révélateur. C'est toi le révélateur des choses cachées. C'est toi le révélateur des choses cachées. Oh, descends. Descends, visite-nous puissamment. Oh, ta puissance est ton onction. Ton onction, moli mon ensemble. Oh, ton onction, ton icône à visiter l'onction à yo. Ton icône à visiter, cher Saint-Esprit. Yahweh, le bateau côté cabisso pambate. Le bateau côté cabisso banfelente. Au côté cabisso banfelente. Mais au côté de la bisso mosungi. Oh, les amis, le consolateur. Oh, les amis, moli mon ensemble. Moli mon ensemble, nos côtés que la bisso. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi maintenant, l'Esprit de divin. Manifeste-toi, l'Esprit de l'Esprit de gloire. Manifeste-toi, toi qui agis. Manifeste-toi, toi qui console les. Pas touché. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Viens, 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 cher Saint-Esprit. Viens, cher Saint-Esprit de Dieu. Tous à la poussanayo. Tous à la poussanayo maintenant, mon et mon ensemble. Tous au béninayo parce que tu y es bien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais c'est toi qui agis au-dedans de nous. Et c'est toi qui tous à l'écobélé là. T'as la pourquoi tous au béninayo là. Yon attend, mon et mon ensemble. Manifeste-toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, nous avons besoin de toi. Et toi qui nous as dit, je vous laisserai passer. Je vous envoyerai une consolateur. Et lorsque lui qui viendra, thank you.
Jésus-Christ. Nous en avons un à l'homme qu'on a eu. Nous en avons un à l'homme qu'on a eu. Tokoya kongumba mela eko adore ye o ya sale li biso ngolu ye o ya talisi biso monene na epe bonzambe na ye ye o ya kiti na trône na ena katne sika o toko tsumbe la embe ka motuya parce que il est le Dieu qui mérite l'adoration de nos cœurs yango na tsambo toko ngumba mela ye toko sanjo la ye toko tsombo la kiti na bokonzi na ye mba teza na mokonzi moko te oya mérite honneur et gloire. Lokola nzambe na biso azalite bobele ye na kombo na Yesu. Alléluia, tobondeli. Reçois la gloire. Reçois l'honneur, toi qui es le Dieu qui règne au milieu de louange et de l'adoration. Yahweh, toi es kotombo la kiti na bokonzi na yo. Bamba te la terre, ikolo na tali la se. Na moni mokonzi moko te abongi na masa joli. Natali kolona tali na se, na moni nzambe moko te abongi na gloire na honneur. Il n'y a que toi, yango tira ni toye na ko adore yo. Yango tira ni toye na ko tombo la kisi na bokonzi na yo. Bamba te amona ni te, oya koloba likambo pe likambo ekokisami. Amona ni te, waza na nguya ko simba, pe simba ni ya solo yawe. Pwete yolo biyo simba ni epai na simba ni ya solo. Eza kaka yo isame. Sois adoré, Jésus, adore le nom du Seigneur Jésus.
Oh,
Thank you.
Alléluia, Père, nous voici encore devant toi. Oh, c'est le premier parti et tout ce qu'on passe. Mais maintenant, tous les gens sont là. Comme maintenant nous sommes dans un autre temps, après d'avoir adoré, après d'avoir demandé le pardon, nous voulons maintenant écouter la promesse et la parole de l'Éternel de nous dire cet amour. Notre prière est que tu agis. Tu agis quand tu veux. Soit loué. Je me remets maintenant tout le monde à distraction. Nous allons écouter quelques paroles que Dieu a mis na kati na biso na kombo na Yesu. Malgré tant na biso ekeyi et nzambali mbisa biso pour na retarder à lelo parce que t'offririe l'adoration qu'il fallait été et n'attend où il fallait quitter. Bible lobi maudit l'homme qui fait avec l'intelligence l'œuvre de Dieu. C'est pour cela nous demandons que Dieu nous pardonne parce qu'il n'aime pas des gens négligents. Amen. Amen. Nous avons pris un engagement d'être ici à 13h et nous-mêmes nous avons fait et que nous tocons en retard. Que Dieu nous pardonne pour cela. Toujours au fond de la Bible, on a vu ça directement. Je dis toujours, je ne dépends pas des hommes. Alors nous allons finir aujourd'hui ce que nous avons commencé. En daarom gaan we vandaag eindigen wat we waren begonnen. J'aimerais que nous soyons attentifs parce que Dieu va te révéler quelque chose, je suis sûr aujourd'hui. Ik wil graag dat we allen oplettend zijn wat God gaat je laten zien. Daar ben ik zeker van. Et nous ouvrons nos Bibles dans les livres de Matthieu comme d'habitude. En we zullen zoals gewoonlijk onze Bijbels openen in het hoofdstuk van Matthäus. Matthäus chapitre 4 verset 1 jusqu'au 4e verset. Matthäus hoofdstuk 4 vers 1. Matthäus chapitre 4. Matthäus hoofdstuk 4. Et le verset 1er jusqu'au 4e verset. En vers 1 tot en met vers 4. Alléluia. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Alors Jésus fit
amené par l'esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim et le tentateur était approché de lui, dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra point de pain, mais seulement de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais vous sentir alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et notre thème que nous avons pris, c'est Tolobaki et Koki Kozalana plusieurs nani parties. En onze thema, wat ik had gezegd dat we kunnen hebben, zal waarschijnlijk meerdere stukken. Mais nous avons choisi de dire que non. Pourquoi les diables au lieu des anges? Maar waar we mee verder gaan is waarom de duivel in plaats van de engel? Et nous avons dit, tu peux dire pourquoi les souffrances au lieu de la joie? En je kan jezelf misschien afvragen waarom moeilijkheden in plaats van vreugde? Pourquoi les malédictions à la place de la bénédiction? Waarom een vervloeking in plaats van zegen? Tu peux poser, c'est une question que tout le monde peut se poser. Dat zijn vragen die jezelf. Je vais à l'église. Ik ga naar de kerk. Je jeûne. Ik vast. Je prie. Ik bid. Mais pourquoi au lieu de la joie, moi je trouve toujours la tristesse? Maar waarom in plaats van vreugde heb ik alleen maar vreugde? Pourquoi au lieu que je vois la main de Dieu, moi je vois seulement ce diable qui se met entre moi et Dieu? Waarom in plaats dat ik de hand van God zie, zie ik alleen de duivel die er. Alléluia. Et nous avons répondu à ces questions. Wij hebben deze vraag zelf beantwoord. Et aujourd'hui, je vais encore répondre à ces questions. En vandaag zal ik weer deze vraag beantwoorden. Et nous avons parlé pour seulement résumer un peu. Premier dimanche, nous avons entendu que Dieu laisse que le diable puisse nous toucher. En de eerste zondag hadden we gezien dat de God daartoe, dat diable intervient dans nos vies, of dat de duivel in ons leven komt. Pour que nous il nous empêche d'atteindre les buts que Dieu nous a préparés. Zodat wij niet het doel kunnen bereiken wat God voor ons klaar heeft gezet. Parce qu'il sait s'il te laisse, tu vas atteindre loin et tu seras le grand adversaire et redoutable de cette de diable. En hij weet dat wanneer hij jou met rust laat, dat jij verder kan et gaan. Et nous avons entendu deuxième partie que Dieu laisse le diable venir dans nos vies. En God laat de duivel toe in ons leven. C'est pour nous rendre forts. Om ons sterker te maken. Alléluia. Amen. Et le dimanche passé, nous avons entendu, écouté, Dieu nous dit, il y a des moments que Dieu laisse. En volgens zondag hadden we gezien dat les choses laten. Dans nos vies, pourquoi? God laat sommige dingen toe in ons leven. Pourquoi? Alléluia. Amen. Et nous avons écouté que non, Dieu laisse les diables dans nos vies parce que il veut que nous puissions connaître nos limites. En God heeft de duivel in ons leven gelaten zodat wij weten wat onze limiet is. Alléluia. Et nous avons vu que non, comment Dieu fait que non, il a dit que non, je te rendrai fort comme une pierre. Le colandenge Ezekiel a lobaki tango totanga ki dimanche passé. En we hadden gezien dat God zei dat hij ons sterk zou maken als een. C'est-à-dire que je te rendrai fort comme une pierre. Dat betekent dus ik maak je sterk als steen. Et que non, lorsque les problèmes viennent. En wanneer problemen komen. Mais moi Dieu. Maar ik God. Je te fais que tu sois plus fort. Ik zorg ervoor dat je sterker bent. Parce que j'ai dit dimanche passé. Want volgende zondag. Lorsque on prend une pierre. Wanneer je een steen neemt. Et on le jette par terre. En je gooit hem op de grond. Zo kies pierre wana et kaouk nani et pasuki. Als die steen uit de grond. Ezali kopesa ba kayou yamike. Kom allemaal vonkjes. Et ces kayou là devient danger pour la moutoutou akonyata place wana. En dat is de gevaarlijke zin. Mais Dieu dit que je te plus fort qu'une roc. Maar God is dat. Parce que lorsque tu tombes sur tes ennemis. Want wanneer jij valt op je vijanden. Et c'est quelque tous les sorciers, tous les magiciens. Tous les marabouts tombent à cause de celui qui est en toi. Dan moet iedereen vallen
Alle geesten of demonen of boze geesten moeten allemaal vallen door alleen degene wat in jou zit. Alleluia. Amen. Et aujourd'hui, je ne vais pas prendre du temps. Vandaag zal ik niet veel tijd in beslag nemen. Parce que 15 heures déjà, c'est déjà passé. Het is al 3 uur voorbij. Je vais passer directement au quatrième point. Ik ga meteen door naar het vierde deel. Notre quatrième point d'aujourd'hui, c'est. Het vierde punt van vandaag is. Parfois, Dieu permet que dans ton chemin, tu croises les diables afin que tu découvres le pouvoir qui est caché en toi. God die laat de duivel toe in ons leven, zodat jij kan weten wat voor krachten in jou verborgen zit. Parfois, Dieu permet que dans ta vie ou dans ton chemin, tu croises les diables afin que tu découvres le pouvoir qui est dans toi. Soms laat God de duivel toe in ons leven, zodat jij de kracht kan ontdekken die verborgen is. Na Lingala, tango mosusu nzambe atikaka diabolo aleka na nzela na biso. Bona kotika biso tokoka ko découvrir makasi oyo ezali caché to ebomba mikati na biso. Soms laat God de duivel toe in ons leven zodat wij die kracht kunnen ontdekken in ons. Alleluia. Amen. Oyo tozali kotanga na passage oyo. Wat wij hier lezen in dit hoofdstuk. Parfois Dieu laisse le diable dans nos vies. Af en toe laat God de duivel in ons leven. C'est parce que Dieu veut que tu découvres qui tu es. Dat is omdat hij wil dat jij ontdekt wie je bent. Tu as la force. Je hebt de kracht. Tu appétit, tu pries. Jij bidt. Mais tu sors dans une prière. Je gaat au lieu d'avoir la main de Dieu. In plaats van het hand van God. Et Jésus voit la main de Dieu, il voit le diable. Maar jij ziet de et duivel. Tu te demandes pourquoi. Et je vraagt jezelf. Mais Dieu dit que non, je laisse ces choses là. Maar God zegt, ik laat je je laisse le diable te toucher. Ik laat de duivel te découvrir, tu découvres la force qui est en toi. Dat je ontdekt wat voor kracht in jou zit. Parce que la Bible dit Christ en nous c'est l'espérance de la gloire. Want de Bijbel zegt ons Christus in ons tellement is het je suis en vous. Omdat ik in jou vous ben. Avez une espérance de la gloire. Zou je de gloire pour que vous puissiez vaincre le diable dans toutes les sortes qu'il peut se manifester. Dat jullie de duivel kunnen overwinnen in wat voor soorten maatregelen ook. Maar nu, lorsque je lis cet passage, als ik het hoofdstuk lees, la Bible dit, de Bijbel zegt ons, et que Dieu avait laissé le diable, si je comprends bien, wat God heeft de duivel toegelaten, Dieu a laissé le diable que non a touché Jésus-Christ, God liet de duivel toe om Jésus-Christ te doen, parce que Dieu voulait que non Jésus découvre la force qui était en lui. Wat God die wilde dat Jezus ontdekte wat voor krachten in hem was. Lorsque le diable vient, wanneer de duivel kwam. Ah, wat was alleen komen op verset 3. Hier zien we vers 3. Diable dit. De duivel zegt. Le tentateur était approché. Le verset 2 dit que non. Le diable lui dit. Si tu es le fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Alléluia. In vers 3 zegt hij. Je bent toch de zoon van God. Ordonne à ces pierres. Zeg tegen deze steen. Nalingina lobelo komoko. Ik zal jullie één ding vertellen. Namunoko ya banguna na yo. In de mond van jouw vijanden. Ou lorsque tu pars quelque part. Of wanneer je ergens naartoe gaat. Et que quelqu'un commence à te maudire. En iemand begint je te vervloeken. Je vais te dire que non, na katia maloba ya muto aza komodir yo. Ik zal vertellen in de woorden die. Il y a toujours une révélation de qui toi tu es. Is er altijd iets, een soort van waarheid van wat jij bent? Ik ga opnieuw beginnen. Si quelqu'un te maudit, wanneer iemand jou uitspreekt, maloba muto aza komodir yo. Met de woorden die hij spreekt. Il y a toujours une révélation. Is er altijd een waarheid? Ezali kolakisa ki tia toati. Tieto yo za ozamani. Wat laat zien wat jij bent of wie jij bent. Jamais diable. Nooit zal de duivel. Akoki koye koloba liloba. Iets komen en zeggen. Sandabora la kisaki yo za ozamani. Om je te laten zien wie je bent. Lorsque nous voyons dans cet passage. Wanneer wij zien. Si tu es le fils de Dieu. Als jij de zoon van God bent. Ordonne à ce pain. Zeg dit tegen dit brood. Ja, ordonne à ces pierres. Zeg dat deze steen. Pour que ces pierres deviennent quoi? Du pain. Zodat dit steen wat wordt. Il y a une révélation quelque part. Er is een. Je ne sais pas si nous comprenons qu'il y a une révélation. Si tu y es. Ik weet niet als we ergens begrijpen, maar er staat. La Bible dit. De Bijbel zegt ons. Même lorsque le diable était allé pour voir Adam et Eve. Dat is wanneer de duivel naar Adam en Eva. Il y a quelque chose qui s'est passé. Is er iets wat er gebeurde? Il a dit, je sais. Hij zei, si vous le mangerez, als jullie dit vous deviendrez des dieux.
zullen net goden worden. Ce qu'Adam n'avait pas compris. Wat Adam niet wist. Était non. Dans les lettres des diables, il a prononcé le nom que tu es Dieu. Heeft hij gezegd dat jij een God bent. Et maintenant. Maar nu. Essayez là yo. Het is al een keer overkomen. Parce que peut-être vous pouvez pas me comprendre. Want misschien begrijpen jullie. Mais n'allez pas connaître de terre à terre. Maar ik wil nu. Bandekor. Alors tu as lu comment une révélation. Hier zien we iets wat. Une révélation et puis mina monoconia prophète. Het komt niet uit de mond van de profeet. Une révélation et puis mina monoconia diable. Of van, maar van de duivel. Niet na monoconia ange te. Of van engelen. Ya bishop te. Of van. Mais c'est diable qui prophétise na kacha vie ya Jésus Christ. Maar het is de duivel die iets zegt. Si kanaye bisayo lisus encore une fois. Maar laat me jullie één ding vertellen. Et que non na monoconia banguna na yo. Dat in de woorden van Tot dan de basali koloka komo diri yo. Wanneer zij ook il y a toujours une parole de révélation que toi et Seigneur le saisir. Il y a altijd woorden van waarheid. Yo kaka maloba oyo maloba ka souvent mingi. Luister vaak naar de dingen die ik heb gezegd. Eerste voorbeeld wat ik heb gezegd. Je zou een persoon. Yo zo la kisani. Wat wil je zeggen? Oh, toujours kaka yo, toujours kaka yo. Zo la kisani. Altijd jij. Est-ce que yonga muto kobi ki sa famille oyo? Bij degene die jouw familie zal redden. Halleluja. Amen. Est-ce que moi j'ai dit que n'aurai que sa famille? Heb ik gezegd dat ik mijn familie ça zal redden? Ça c'est une révélation. Zal redden. Est-ce que tu comprends qu'il y a une révélation? Snap je niet dat er moi mijn... j'ai pas dit que c'est moi qui va sauver la famille. Ik heb net gezegd dat ik mijn familie zal redden. Mais celui qui te connaît bien dit que non. Degene die jou goed kent. Est-ce que tu crois que non c'est toi qui va changer cette famille? Degene die jou kent die zegt. Denk dat je geen bent. Diable pétille. De duivel kan misschien. Il ajoute encore. Hij voegt toe. Et que yo kaka kobondela, kaka kobondela. Alleen maar bidden. Ik kan niet zeggen, biso ba tuto bondela, kate seke toza ba subandoki. Denk je dat wij, de mensen die niet bidden, dat wij demonen zijn? Ja, in de revelation na bouche ya, ya banguna na yo. Zie, er is een soort waarheid in de woorden van. Est-ce que moi je prie? Wanneer ik bid? Est-ce que je dis que non, nani batona zo bondela ba zabandoki? De mensen waarvoor ik bid, zijn dat demonen? Alléluia. Amen. Il faut saisir très bien. Moet je goed luisteren. Ozo bondela, ozo bondela. Je bidt en je bidt. O kanisi bi lokola biso tozo bondela, te biso nde toza ha, toza bandoki. Jij denkt dan dat omdat wij niet bidden, dat wij meteen demonen. Dans la bouche de tes adversaires. In de woorden van je vijand. Il y a toujours une révélation. Er is altijd een stukje waarheid. Yo kandeleni na zako revele yo deja. Luister goed naar wat hij zegt. Na ba prière na yo. Met jouw gebed. Ezako yoko la kisake no bisonde ba totoza bandokyo tolokaka yo. Moet dat laten zien dat wij demonen zijn die jou opzoeken. Moi j'ai pas dit que boza bandoki. Ik heb dat nooit gezegd. C'est que moi je fais jamais que prière. Wat ik doe is bidden. Mais comment prière nangai ko. Maar hoe kan mijn gebed jou niet vallen? Dus in de woorden van jou. Er is toujours une révélation pour toi. Is er altijd een stukje. Je zal zien bij de mensen. Kijk, ma prière, ma prière. Je kan niet zien dat je moet changer ma situation. Je vin na yo. C'est à dire, il y a une révélation. Il sait que quand tu as prière na yo, tu vas changer les circonstances de ta vie. Dat jij de situatie in jouw leven kan veranderen. Si tu es le fils de Dieu. Als jij de zoon van God bent, change ces pierres à pain. Verander dit. Jésus a compris. Jezus had begrepen. Qu'il y a une révélation. Dat er een waarheid is. Et que comment nous sommes salomé. Par exemple, quand tu vas dans un ministère, tu vas dans un bureau. Ils ont dit, il m'a dit, le ministère. Oui, peut-être qu'il y a une désordre dans mon sala. Il kom binnen, il zit misschien geen orde in jouw. Lui, toi, tu veux être amené et faire mieux que Baoyo Bazalaki. Jij wilt beter doen dan dat. Yoka, comment c'est lui qui veut pas que tu progresses, dit. Luister goed naar degene die je wilt. Yoka, ni si que non yonde mutokoya ko changer ma kambo. Aw. Jij denkt echt dat jij degene bent die alles kan veranderen hier zo. Est-ce que moi j'ai dit que je suis venu pour changer? Heb ik gezegd dat ik alles wil komen veranderen? Moi je vais faire seulement ce que j'ai à faire. Ik wil gewoon hetgene doen wat ik wil doen. Alleluia. Amen. Namunoko ya banguna na yo. In de woorden van jouw vader. Je répète encore. Ik zeg het en ik herhaal het. Il y a toujours une révélation. Il y a toujours une révélation. Combien de fois on a dit que non, est-ce que... Yonde mutoko bongi sa famille oi. Hoe vaak hebben we gezegd dat jij niet degene bent die... Combien de fois on a dit que non. Est-ce que yo kanisi que no biso tunde toko dependre na yo? Hoe vaak heb je wel niet gezegd dat hij dat tegen van jou? Lorsque tozo tala na kacha Bible. Wanneer wij de Bijbel lezen. Il y a un exemple typique que j'aime bien. Er is een goed voorbeeld wat ik... Mais bien aimé. In de Bijbel. Tozo li komono na kacha Bible que no histoire ya Joseph.
Maar we zien in de Bijbel het verhaal van Jozef. Ik heb niet veel tijd om te lezen. Mais lorsque nous lisons Genèse chapitre 37 verset 5 à 10. Maar wanneer we Genesis hoofdstuk 37 Genèse chapitre 37 verset 5 à 10. Hoofdstuk 37 5 tot en met 10 lezen. Genèse chapitre 37 Genesis hoofdstuk 37 verset 5 à 10. Vers 5 tot en met 10. La Bible est au banabisso. De Bijbel zegt ons. Et que non Joseph était aimé de son père. Dat Jozef was veel. Mais un jour Joseph a sala kindoto. Maar op een dag had hij gedroomd. Als jullie moeten te balotje zijn doto. Hij vroeg niet zelf om die droom. Maar doto Joseph je pa je bakite loko ninyo zana kach. Maar hij zelf is dat niet. Na yo ya toujours une révélation. Maar in de woorden van jouw vijand is Joseph a saisi les révélations qui étaient na monoko banguna na ye. Joseph heeft die waarheid. Lorsque zoye de sa frère na ye. Wanneer tegen zijn broeders dat la Bible dit que non à lobby. Namona ki ba mipiko ya banani ya basere ba ya banzete telemi liboso. Hij zegt tegen zijn broeders: ik heb gezien dat er riet omhoog stond. Ik ken no ya bino nyoso yangaye zaliko telemi na kachikachi e ya bino nyoso zaliko kweya liboso na yango. En ik had gezien dat de mijne in het midden stond en die van iedereen eromheen. Écoutez la réponse de ses adversaires. Luister goed naar de. Okanisi ke biso nyoso sengeli to ya kukumba mena yo. Denk je nou echt dat wij allemaal. Est-ce que moi je pas dit que non boya kukumba melanga? Ik heb niet gezegd. Je seulement dit ce que Dieu. Ik heb alleen gezegd. Je m'a montré que non na moni banzete na binezo ko ya liboso ya nzete nanga. Ik zeg alleen dat God heeft laten zien dat. Il a je toque encore deuxième fois. En daarna tweede keer. Ya za komo na baninzo na ni ba étoile. Na ba sanza na na la lune. En hij zegt, ik zie sterren, ik zie de maan, ik zie, en ik zie de... Eza Sanza. Ik zag de maan. Le, nani Moi. Ik zag de zon. E, ba étoile. En de sterren eromheen. Alors, ezali koya liboso, ezali kokumba, konani koko antoure, liboso nangai. En ze komen allemaal voor mij staan. Alors. En nu. Le papa lui-même. En nu de vader. S'est fâché. Is boos geworden. Il a dit que non est-ce que. Elingi kola kisake ngai na mama na bino isengeli tokumba mela yo. Dat laat zien dat zelfs ik en jouw moeder voor jou moeten knielen. Nakacha munoko ya badiverser na yo. In de woorden van je vijand. Il y a toujours une révélation qu'il faut saisir. Er is altijd een stukje waarheid die je kan. Il y a toujours une révélation qu'il faut saisir. Er is altijd iets wat je kan ontvangen. Alleluia. Amen. Na munoko ya badiverser na yo. In de woorden van je vijand. Il y a toujours. Er is altijd. Quelque chose. Tokoki kozala kimia te batu wana bangonde balobaka. Tokoki kozala toujours kimia te. Kaka yo obonde laka. Est-ce que okanisi yonde motoko changer makambo? Parce que c'est à travers ta prière que toi tu vas changer les choses. Tofanda tranquille s'il vous plaît. Silence s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Silence, silence. J'ai dit, tout ça le concentrer. Amen. Alors, Joseph. Maar nu Joseph. Dieu l'a montré. God liet hem zien. Yangoana, Ozali Komon. Maar nu dat geen. Na verset 23. In vers 28. Hey, na verset 3, ya Matthieu, pardon. In vers 3 van Matthieu. Bible, Ozali Kolobanabiso. De Bijbel zegt. Diable a dit à Jésus. Si tu es le fils de Dieu. Aujourd'hui, je ne vais pas aller très loin. Ce que Jésus avait compris. Jésus a simba que révélation oye bimaki na kachi ya passage oyo. Jésus heeft de waarheid vastgepakt. Mais bien aimé, il faut saisir toujours. Mijn geliefde moet altijd zeggen. Ja, bij revelation je bangona na je bazali koloba contre toi pour que vous tourniez yango contre bango parce que tu es le plus fort que bango moko. De woorden en de woorden die jouw vijanden uitspreken moet je altijd de waarheid uitnemen. Jezus saisit la révélation. Ik zal die waarheid nemen. Parce que diable a dit, si tu es réellement fils de Dieu, wij hebben gezegd, als jij werkt, prends ce pain. Et prends ces pierres. Et fais-le que non ça devienne du pain. Jésus a compris. Ce que j'ai le pouvoir. De prendre des pierres. Et de les faire du pain.
J'ai le pouvoir de prendre les malédictions et de faire cela bénédiction. Le premier miracle que Jésus a fait, c'est quoi? Jésus a compris, je suis capable. Premier miracle de Jésus après qu'on m'a fait changer les prières, c'est pour cela que Jésus-Christ a changé de l'eau en vin. Jésus van water wijn gemaakt. Alléluia. Jésus a dit, je ne comprends pas. Je ne savais pas que je suis capable. La côté qui m'a gêne. Donc, on a eu à quitter que Nazan a ma casse à changer Binoco. Le diable est venu pour me dire ce qui est réellement. Tu peux changer. J'ai compris. Que non, je suis capable. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, tu es capable de changer des choses de ta vie. Tu es capable de changer les malédictions en bénédictions. Tu es capable de changer les maladies en guérison. Tu es capable de la semaine d'opposition à soumission. Et tu es capable de faire tomber les grandes armées. Pourquoi? Parce que tu es le Fils de Dieu très haut. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus a saisi les révélations. Mais bien aimé, saisis les révélations de tes ennemis. N'allez pas qu'à toujours. Et que non, même dans le moment de la soukha, tes ennemis deviendront tes prophètes. Ce n'est pas moi qui dis. La Bible dit, Naaman, quelqu'un qui était dans la Bible, Balaam, pardon, Dieu avait emmené, on a amené Balaam pour maudire le peuple d'Israël. Mais lorsque Balaam est parti, Balaam s'est fait l'ennemi d'Israël. Lorsque, au lieu de venir dire que je suis venu pour vous maudire, et Balaam a dit que je suis venu que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Parce que vos ennemis deviendront les prophètes de vos vies. Il n'y a aucun obstacle. Et dans la bouche de Munguna Nayo, il y a toujours une révélation que tu vas saisir. Et lorsque tu saisis cela, c'est ça ce qui va te faire la force de le faire tomber. Parce que l'ennemi ne peut pas parler du mal contre toi sans avoir dit Yosa aux Anani. Parce que diable sait pourquoi toi tu es. C'est pour cela que tu dors. Où tu as fait une prière et que tu te réveilles le matin, quelqu'un qui t'appelle, toi je ne te comprends pas. Nous comprendre à Yoté. Parce qu'il a compris quelque chose que j'ai touché là où on ne touche pas. Jésus, c'est lui qu'on ne saisisse pas. C'est pour cela, mes bien-aimés, dans la prière, même dans le cas de Moukandé, il y a psaume. Bible Zolo Benakatcha Psaume chapitre 84. Je vais m'arrêter là, je vais aller plus vite. Psaume 84. Psaume 84. Namunoko Bangonana, il y a toujours une parole de révélation pour toi. De woorden van jouw vader, c'est un stukje waarheid. Écoutez ce que la Bible dit. Psaume hoofdstuk 84. Tu peux lire? Vers 6. Je lees in naam van Jezus. Amen. Non, tu lis le verset 7, peut-être pas le verset 7, ou il y a d'autres 6, mais chez moi c'est le verset 7. Église, Jésus. Lorsque j'ai marché dans les vallées, je traverse les vallées de Baca. Wanneer zij in hun leven door een donker dal gaan, ontspringen daar opeens allemaal bronnen. Problemen veranderen in zegeningen. Amen. 84. Vers 7. Vers 7. 7 en wanneer zij in hun leven door een donker dal gaan, ontspringen daar opeens allemaal bronnen. Problemen veranderen in zegeningen. Halleluja. Est-ce que tu comprends ce que Dieu dit? Begrijp je wat God zegt? Jésus dit. Jésus. Lorsqu'il traverse, qui? C'est lui qui est, même qui s'appuie sur l'Éternel.
C'est la reine qui vit sur la terre. Lorsqu'il traverse le vallée de Baca, il transforme le vallée de Baca en une plaine. Et une pleine soumission. Et la pluie couvre aussi les bénédictions. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que non. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, il n'y a aucun obstacle qui peut se mettre devant toi. Parce que la présence ensemble, tu vas découvrir la force que toi tu as. Et tu même quand tu as le boulot à couvre, tu vas transformer la mort en résurrection. Oh, pour toi, il n'y a plus de malédiction. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour toi, il n'y a plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que lui, il peut traverser dans les moments difficiles. Mais il change les moments difficiles. Nakati à ma bénédiction. Batoubazali kolobali tokomona soki okukufa lobi. Alléluia. Alléluia. Parce que toi, tu es le mis à part de l'Éternel. Mes bien-aimés, et Seigneur le saisir toujours l'occasion où nous sommes à lui couper ça. Et lorsque le diable a lui coexister, toi, Zali, pour pénétrer le bosson à you, tu as les capacités à changer ces choses. Même lorsque Bakangaki Joseph, si tu lis la Katia Genèse chapitre 50, et que verset 20, Joseph avait compris. Il dit, mes frères, ils m'ont fait mal. Ils m'ont vendu. Mais le mal qu'ils m'ont fait, l'Éternel a fait quoi? Il a changé ça en bénédiction pour moi. Alléluia. Pour toi, ce que les autres croient que nous ils sont en train de te faire du mal, le colosal a caché à Bounzambé. En tant que moi, dans Zambé, Zamba a changé ma béwanana. God zal het slechte veranderen in het goede. Alléluia. Parce que na monoko na bangona na yo, il y a toujours une prophétie pour toi qu'il faut saisir. In the word of your fire, ne croyez pas que non pas na ya pneni, pas na ya promesse. Je moet dat weten dat kinderen van een belofte. Même bangona na bango ba kokoma ba profete ya vina yo. Zelfs hun vijanden zullen profeten worden van hun leven. Alléluia. Amen. Bangona na yo, bazu riske ba koma ba banani ba profete ya vina yo. Di riske. C'est pour cela que mon abato ba banako lo ba mabe contre yo. Dans les immenses di forget of ya prate. Et les lo ba komi ko changer langage. Ba fonda forandre zin. Kasi sengeli lani les lo oye ba ke. Tango to sali na kacha présence ya Nzambe. Parce que Jésus tango mususu n'a pas compris. Na uchi na parte. Na uchi pe na kacha musikite. Mais je viens dans la présence de Dieu. Mais pourquoi j'ai trouvé diable dans moi, dans mon chemin? Ce que je suis venu te dire. Et Seigneur Loye Bakeno, tant que tu es allé dans la présence de Nzambe, Nzambe est allé te transformer biso. Pour être biso, pour être salanini, te transformer biloko. Alléluia. C'est pour cela que Jésus savait cela. Il a dit, je ne veux pas commencer mon ministère comme tout le monde. Je vais d'abord rentrer 40 jours et 40 nuits. Pour être transformé. Mais ce que je ne savais pas que non, quand Dieu me transforme, moi aussi il faut qu'il a transformé biloko moussous na kacha vinanga. Lorsque nous entrons dans la jeûne et prière, c'est pour que Dieu nous transforme. Et lorsque Dieu transforme quelqu'un, ce n'est pas pour que tu restes stationné, mais c'est pour que nous tu transformes aussi d'autres choses de ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen.
dit que je suis transformé. Zeg dat je getransformeerd bent. Loban ayom ook que je suis transformé. Zeg tegen jezelf, ik ben getransformeerd. Pour être transformé. Om getransformeerd te worden. C'est-à-dire, je suis transformé par Dieu. Dat betekent dus, God transformeert mij. Pour transformer aussi les choses qui ont des obstacles dans ma vie. Zodat die dingen in mijn leven ook getransformeerd worden. Parce que je suis transformé. Dat ik getransformeerd ben. C'est pour cela la Bible dit. Mais ne tomberas ta gauche. Tu mets à ta droite. Toi tu seras pas éteint. Parce que moi je t'ai transformé. Pour que l'île qui tombe à ta droite, tu le transformes en bénédiction. Dieu mille qui va tomber à ta gauche, tu le transformes en élévation. Et dat de andere duizend die niet meer vallen. Alléluia. Alléluia. Et Seigneur saisir maintenant l'opportunité na yo. Je moet nu jouw kans pakken. Et Seigneur saisir l'opportunité que nani zamba zali ko pesa yo. Je moet nu de kans pakken die. Yango wane Seigneur ko sala négligente na prière. En daarom moet jij niet. To sala négligente na kacha ba jeune prière. Et Seigneur to kota ka toujours. Il y a même des moments où tu sors des jeunes, mais les choses que tu vas voir, ce n'est pas ce que toi tu t'attendais de voir. Mais sache que Dieu t'a déjà transformé pour transformer les choses que tu vas voir maintenant. Où tu n'as veillé, aux oses elle a peut-être une bonne nouvelle. Je hebt net gebeden en je wacht op het goede. Mais lorsque tu sors de veiller, de prière, wanneer je net klaar bent, en zo kozali kokende okutani na soumission moko enani opposition de Bolsonaro. Maar je komt daar buiten en je ziet ineens een heel groot obstakel voor je. Sache que non. Dans la présence de Dieu, je moet weten dat l'homme est transformé pour être capable de transformer toute situation de ta vie. Et ce monde transformé pour chaque situation de veranderen in zijn leven. Alléluia. Amen. Tu es dans la présence de Dieu lorsque nous venons dans la de l'église. Je bent in nieuwe aanwezigheid van God wanneer we naar de kerk komen. Et singulité tous à la toujours na distraction. Moeten we nooit in de afwezigheid zijn of afgeleid worden. Want we zijn hier gekomen om getransformeerd te worden. C'est pour cela beaucoup de choses de nos vies ne changent pas. Daarom zijn er veel dingen in ons leven die niet veranderen. Parce qu'il y a d'autres choses que nous. Parce qu'avant de transformer, il faut être d'abord transformé. Dat zijn andere dingen wat voordat je getransformeerd wordt, moet je eerst veranderen. Et c'est pour cela cette semaine. En daarom deze week. Tu vas transformer toutes les choses, l'obstacle, l'opposition, le blocage de ta vie. Tu vas transformer cela. Tu vas dire à Dieu, transforme-moi pour que je transforme maintenant mes problèmes. Tu vas dire à Dieu que change-moi pour que je change la situation de ma vie. Oh. Alléluia. J'ai tellement pleuré. Je suis tellement humilié. Les gens se moquent tellement de moi. Maintenant change-moi pour que je change des choses. Parce qu'on ne peut pas changer quelque chose si toi-même tu n'es pas changé. Que Dieu bénisse sa parole pour aujourd'hui. Dis-toi cette semaine les paroles clés. Dans la présence de Dieu, je suis transformé pour être capable de transformer toutes les situations de ma vie. Transformeerd worden zodat ik in staat ben om te veranderen om dingen. Tot en met de kom van Jezus Messias. Nous allons prier. Dan staan voor Jezus. Rashika Baba Santa. Jezus. Tout le monde mettez-nous debout. Paul opstaan. Jezus. Parle à Dieu de te transformer maintenant. Parle met God zodat hij jou kan transformeren. Dieu transforme-moi pour être transformé. God verander mij zodat ik ook anderen kan veranderen. Roche Kababa. Tout voici maintenant devant toi, Père. We staan nu voor je, mijn Car God. La Bible dit, Seigneur, la parole ne sort pas en vain. De Bijbel zegt ons dat jouw je sais pourquoi tu fais sortir ta parole dans nos vies. Je weet waarom je deze woorden. Parce que tu veux être que tu veux que nous soyons transformés. Want je wil dat wij veranderen. Je demande, Seigneur bien-aimé, transforme des choses maintenant. Priez maintenant au nom de Jésus. Que Dieu nous transforme pour être transformé. Seigneur Jésus, transforme-nous, Seigneur. Pour que toi transformes cette ville, nous avons besoin
besoin d'être d'abord transformé cette semaine. Nous voulons être transformés, Seigneur. Pour que nos enfants soient transformés, nous avons besoin d'être transformés. Pour que notre enfant soit transformé, nous avons besoin d'être transformés par toi. Change-nous, éternel notre Dieu. Pour que tu changes ma opposition à la soumission. Na élevage, na ni na na échec en gloire. Parce que toi tu nous as appelés de gloire en gloire. Je prends l'autorité, Seigneur, sur toutes les oppositions du monde des ténèbres. Qui peut se mettre devant nous? Que cela soit annulé sans effort au nom de Jésus. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole. Parce qu'il y a quelqu'un que toi tu veux faire être transformé. Il y a quelqu'un que toi tu veux transformer, Père. C'est pour cela cette semaine, Père. Notre prière de cette semaine, c'est transforme-nous. Parce que le dimanche prochain, nous allons combattre les bons combats. Lorsque tu vas nous transformer, et le dimanche, Seigneur, nous allons porter des victoires. Au nom de Jésus-Christ. Là où je ne pouvais pas mettre cette parole, Père, je te prie, Saint-Esprit de Dieu, continue à parler à travers tes enfants. Je connais quelqu'un qui a des obstacles dans sa vie. Mais c'est ce que je te demande, Père, que tu pardonnes et que nous te transformes. Pour que lui aussi puisse proporter des victoires. C'est pour cela que Jésus-Christ a transformé des maladies en guérison. C'est pour cela que Jésus-Christ a multiplié 5 pains. Un millième du pain. Il a changé du poisson au millier pour un millier de gens. Parce qu'il savait que je suis transformé pour être transformé. Transforme-nous, Seigneur, pour que nous puissions multiplier des choses. Que nos ennemis seront en honte au nom de Jésus. Bénis maintenant l'offrande que nous allons te donner. Chaque main qui sera, Seigneur, ouverte dans cette corbeille soit bénie. Ouvre les églises des cieux dans chaque situation des finances de cette église. Car tu as dit, Éternel, notre Dieu, je bénirai celui qui me bénira. Mais celui qui va maudire celui qui te bénit, maar de, als u degene die vervloekt, degene die vervloekt, aussi soit maudit au nom de Jésus. Laisse que la grâce de Dieu soit sur votre travail et toutes vos entreprises au nom de Jésus-Christ. Donne l'intelligence et la sagesse pour que nous puissions prendre ces offrandes. Et paix que nous te donnons, que nous, tu puisses nous donner l'intelligence et la sagesse pour que cela puisse, Seigneur Jésus, contribuer pour l'avancement de ton œuvre au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, Amen. Alors, tous au paix, sa offrande, la bisson à l'oumbango nyonso. Tous au paix, sa offrande, la bisson à l'oumbango nyonso. Amen. Tokomina suka kilita na biso lelo. Que vraiment Dieu nous bénisse pour tout ce que nanita na biso to zui lelo et qui bénit aussi ceux qui ne sont pas avec nous. Parce que Zambe abate la bango bisika bazali pour lelo et dimanche prochain Nzambazo.